La jeune Marion Séclin a une déclaration à vous faire. Merci d'accueillir Marion, s'il vous plaît. Oh, oh. Attention, le nom. Bonsoir Marion, bonsoir. Vous avez une déclaration à faire à Florent Père qui est ici présent. Bonsoir Florent. Bonsoir. Florent, oh là là, comment elle le regarde. Je vous adore. Ouais, là, il en a je vous chance. Adore, vraiment. Bah, je pensais que vous répondriez que vous aussi vous m'adorez, mais moi aussi, je vous adore. Merci. Non, parce que, en fait, je me rends compte, je vous connais beaucoup mieux que vous. Vous me connaissez. Par exemple, si là tout de suite on jouait aux amours, vous connaissez même pas ma couleur préférée, donc on perdrait. C'est le vert, ma couleur préférée, d'accord. Mon chat s'appelle Boulette. Notez, si ça vous... Thomas, vous pouvez noter pour Florent. Ah oui, je note. Merci. Vert, Boulette. Voilà. Ouais. Vous êtes génial. Ouais. Parce que j'aime pas perdre, en fait, c'est pour ça. Qu'est-ce que je disais? Alors, je vous adore déjà parce que vous êtes né un 14 mai. Et le 14 mai, c'est l'anniversaire du couronnement de Louis XIV. Et donc, pour quelqu'un qui aime la monarchie, c'est mais génial. Bon, c'est pas mon cas, moi, j'aime pas trop les rois de France. Enfin, je veux dire, je m'en fiche, quoi. Mais j'aurais très bien pu aimer les rois de France. Et ça aurait été un super signe. Un signe, on aurait eu un fils, on l'aurait appelé Louis. Des trucs comme ça. Ouais. Vous étiez pensionnaire d'On ne demande qu'à en rire, donc On ne demande qu'à en rire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'académie française de l'humour, mais avec des gens très jeunes et très beaux. Donc c'est pas du tout l'académie française de l'humour. Non mais attendez, vous venez d'On ne demande qu'à en rire et vous arrivez bientôt au cinéma dans le prochain film de Danny Boone. Quel talent! Mais quel talent! Vous sentez, il se passe un truc entre nous, je pense que je peux lire dans vos pensées. Pensez à une destination, mais dites pas laquelle c'est, allez-y. Eh bien, c'est fou parce que je pense exactement à la même destination. Cherchez pas à savoir ce que c'est, hein, Thomas. Non, c'est... Non. Gardez-nous notre intimité, c'est entre nous. Hein. Okay, merci. Alors, j'ai appris trois choses avec tout l'amour que j'ai pour vous. La première, c'est qu'on peut réussir à la télévision même quand on est mal coiffé. Et ça, c'est franchement ça, c'est pas gentil. Un super message d'espoir pour les gens qui n'ont pas de peigne. Ensuite, passer tous les jours sur France 2 entre 17h40 et 18h40, ouais. Ça ouvre des portes pour le cinéma. Dany, je suis comédienne, si tu me regardes, n'hésite pas. Et la troisième chose, c'est la troisième chose que j'ai... Enfin, il y avait un troisième truc, hein, voilà. Je vais le retrouver, c'est sûr. Alors, non, j'ai mieux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser mon numéro. Vous m'appelez, voilà, ouais. On fait comme ça. Et bah, je vous invite à dîner, et puis je vous dis de quoi il s'agissait. Et on vit ensemble pour toujours. Oui, la déclaration, Marion. Vous êtes obligé de la raconter. Ah, d'accord, on va s'en aller. Yes.